de JFIT, on se retrouve aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur le terrain, on va sur le trail des Lavoirs en Chevreuse, 33 km au programme, départ à 9h, il est 7h21, on va se mettre un peu d'essence, une bonne playlist rap 90, et puis bah, je vous retrouve sur place pour le retrait des dossards. We try to love and love it. Ce qui est cool les amis, c'est que ben il fait 8-9 degrés et qu'il y a un super soleil alors qu'on a eu une semaine bien dégueu. Donc en revanche le parcours il va être très très boueux, très très humide, mais bon, vous verrez ça tout à l'heure. Alors les athlètes, ce matin je vous ai montré, j'ai testé la crème petit déjeuner d'Alain Roche. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Goût chocolat, le goût est vraiment très sympa, un bon petit goût de cacao et de céréales. Niveau digestibilité, ben, j'ai pris ça il y a presque une heure. Pas de sensation de lourdeur au niveau du bide, tout ça. Je me suis pris comme d'hab ma petite tisane avec un peu de miel pour toujours maintenir la glycémie et avoir du glucose dans le sang au moment du départ, hein, parce qu'aujourd'hui on part pas à jeun vu qu'on part pour un trail de 33 km. Et pourquoi je fais ce trail d'ailleurs? Bah, en fait j'avais une sortie longue dans le cadre du marathon de Caen qui est dans un mois. J'avais une sortie longue à faire de 27 km et j'avais pas envie d'aller courir tout seul sur les quais de Seine. Donc je me suis dit bah, petit trail des Lavoirs, allez, 33 bornes, c'est un trail, rien à voir avec 27 km tout plat sur route et sentier, mais bon, ça va faire une bonne séance de travail, je vais quand même bien me mettre dans le rouge, bien taper dedans malgré la semaine d'entraînement. Et puis bah ma foi, voilà, là du coup hein, je continue de m'hydrater jusqu'au départ de la course, mais je ne mangerai plus rien, et puis pendant la course j'ai pris mes petits gels au cas où. Allez, je vous retrouve pour le retrait des dossards sur le magnifique parvis du château de la Madeleine en Chevreuse. Donc voilà, on est arrivé, on est garé, il est, si je dis pas de bêtises, 8h07, si je dis pas de bêtises, le départ est à 9h, donc là on va aller récupérer le dossard, et puis ben se changer, mettre le sac à la consigne, discuter avec les gens qu'on va croiser, parce que je pense que je vais croiser du monde que je connais, et puis après bon, on va laisser chauffer un tout petit peu quand même, parce que même si on part pour 33 bornes et presque 3 heures de course, que ça va pas, je vais pas partir à fond de balle, je vais quand même m'échauffer un peu histoire de pas me blesser pendant la course, ce serait un peu con. Donc voilà, ça c'est la vallée de Chevreuse, donc niveau paysage on est plutôt pas mal du tout. Avec ce magnifique temps, on a vraiment de la chance qu'il y ait du soleil après toute cette semaine, bien dégueu. Donc ça c'est le parcours, 33 km, 552 d+. Une belle balade en perspective, et là on arrive dans l'enceinte du château. C'est juste incroyable d'arriver là-dedans. La Croix-Rouge est là, bien entendu. L'arche d'arrivée est là. Et ce magnifique château de la Madeleine. C'est juste incroyable de pouvoir partir, enfin de pouvoir arriver ici et d'avoir mis un village trail ici, franchement. C'est juste dingue. On a le speaker qui est là, moi je vais aller récupérer mon numéro de dossard qu'ils ont classé par homme et par femme. Il n'y a plus qu'à retrouver mon nom. Tac 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 tac. Ça fait partie du jeu, donc on est en train de remaliser ce matin, mais si ça passe bien, vous inquiétez pas. De toute façon, il y aura un wifi à 9h24 pour le... Donc dossard 169, donc on va aller le récupérer. Jérémy, c'est moi. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, bon courage à vous. Merci. Merci. Donc dossard récupéré, 8h17, je pense que je vais aller me changer, je suis allé me changer au soleil. Voilà les athlètes, on est prêts, c'est changé, on a le dossard, et là on va aller déposer le sac aux consignes. Consigne en mode rustique, en mode trail. Du parc naturel de la... Bonjour. Voilà, et puis on suit les différents lavoirs. Vous venez avec votre dossard à la soirée pour avoir votre attaque. Voilà, vous avez passé par 500 km, 100 beaucoup de spectateurs de cette région, des paysages magnifiques.
et encore une fois sous le soleil aujourd'hui. C'est bon, le sac est déposé. On ne peut que s'en féliciter parce que je peux vous dire que jusqu'à hier, c'était pas gagné du tout. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle du jour. Il faut que je trouve un point d'eau. Alors, une question aussi qui m'a été posée par les spectateurs, vous savez, ceux qui sont venus accompagner les coureurs, qui ne veulent pas courir, mais qui souhaiteraient voir passer les coureurs. Alors, lorsqu'on s'est lancé... Bonjour, où est-ce que je peux trouver de l'eau, s'il vous plaît? De l'eau, il y en a, il y a les rampes à 100 mètres ici, c'est-à-dire juste ah, oui, c'est bon, okay. devant l'entrée de la cour, puisqu'ils vont repasser une première fois après moins d'un kilomètre de course. Devant l'entrée du château, ce qui vous permettra bon, ça va, de tout voir passe bien déjà après, il fait beau, après un kilomètre, vous verrez que déjà, même s'il n'y a eu qu'un kilomètre de parcours, okay, super. Merci il y a beaucoup. Déjà des écarts quelquefois. Donc il est 8h40, on est à 20 minutes du départ, on va aller s'échauffer un petit peu quand même parce que voilà. On est à 10 minutes du départ, on continue l'échauffement tranquille, pas de gamme, hein, c'est vraiment juste pour chauffer un peu la température corporelle. Histoire de ne pas partir en ayant froid au bras par exemple et puis d'aller faire le petit pipi d'avant course, mais pas de gamme parce qu'à mon avis les muscles vont vite chauffer, il y a une bosse pratiquement dès le début, donc on va pas s'abîmer les muscles maintenant. Allez, je vous retrouve sur la ligne de départ. On remercie d'avance les bénévoles. Et voilà les amis, c'est parti. Allez, vamos. Un peu plus tard. Allez. Là, on est sur une première boucle pour étirer un peu le peloton. On voit que ça marche plutôt bien. Il y a Nico qui est parti seul devant déjà, qui a 15 mètres d'avance. Sans grande surprise. Et puis nous, on étire le peloton gentiment. On va repasser juste devant le château dans quelques hectomètres. Et on a Alain qui est juste là. Alain, l'organisateur de la Diag, dont je vous ai déjà parlé. Et on fait gagner des dossards là, toute la semaine, grâce à Alain. Alors, grand merci à lui. Donc voilà, là on retourne au château. Comme ça, on a un peu étiré le peloton. Un compatriote de la BNP, ça c'est cool. Super, salut. Comme quoi on n'est pas juste des voleurs dans la banque, on est aussi des coureurs. Tu bosses dans quelle entité? IRB. Ok. Et toi? Cardiff. Ah bon, les voisins. Mais oui, carrément. Tu cours à Nanterre un peu? Ouais. Super. C'est quoi ton numéro de dossard? 100. Ok. Et toi? 169. Ah ouais. Comme ça, je retrouve ton nom et puis je t'envoie un petit mail. Ton prénom c'est? Jérémy. Et toi? Enchanté. Moi c'est Bénédicte. Ok. Bah écoute, on se retrouve. À l'arrivée, hein, pour on la se retrouve vidéo. Prochainement. Mais ouais, carrément. Une première bosse après presque 3 bornes. Elle pique bien celle-là, je m'en rappelle de l'année dernière, ça va nous permettre de rentrer tranquillement en forêt, et on y va mollo, histoire de pas se mettre dans le rouge, et garder des forces pour la suite parce qu'il reste 30 bornes. Donc on marche un peu dans la première bosse, pourquoi? Parce que j'ai le cardio qui est un peu haut, et donc c'est pas la peine de se mettre dans le rouge, après seulement 3 bornes, il en reste 30, on marche, on fait des petits pas, mais super actif. On n'est pas là pour ramasser les champignons. Donc tac, 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 tac. On est actif avec les bras et avec les jambes parce que si on n'est pas un minimum actif, bah clairement, on n'avance pas. On se fatigue encore plus que si on courait. Allez, là c'est plat, donc on va recourir. Donc je viens de papoter avec un collègue de la BNP qui bosse dans une autre entité, mais tout près de là où je bosse. Ça va faire un partenaire d'entraînement en plus. Lui, il est à sa 5e édition du Trail des Lavoirs. Donc ça, c'est plutôt cool de pouvoir échanger pendant 10 minutes, un quart d'heure avec un collègue. Alors, il a eu le cran de mettre le t-shirt BNP Paribas. Moi, j'avoue, j'en ai pas déjà. Et puis même si j'en avais un, je sais pas si je le mettrais. Je
pense que les entreprises n'ont pas, comme ça, n'ont pas besoin de publicité sur YouTube avec une vidéo qui va faire 2000 vues à tout casser. Voilà, moi je poursuis tranquillement. Le cardio est bien redescendu. On est plutôt pas mal. Alors on est sur un petit single très sympa, très joli. Petite bosse, petite roche. Vraiment très chouette. Ça rappelle un peu les sentiers, les singles qu'on aura sur la Diac 78. C'est vraiment très très cool. Vraiment les athlètes, ce single est dingue. On se régale, c'est la grosse régalade. C'est pas boueux, ça glisse pas, c'est juste assez souple pour pas se faire mal. Vraiment impeccable. Les athlètes, quand vous êtes en montée, marchez tranquillement parce qu'il vaut mieux marcher à 5 km/h que courir à 6 ou 7, c'est moins fatigant. Et surtout, quand vous voyez que vous arrivez à la fin de la bosse et que vous devez manger ou boire, va commencer à tout sortir, comme ça, bam, dès que vous arrivez sur le plat ou en descente, vous pouvez manger et boire tranquillement. Une fois que les pulses sont un peu redescendues, buvez pas quand vous êtes à 90% de votre FC max, parce que vous allez vous étouffer. Et nous, on continue sur ce single qui est vraiment mais oufissime. Donc voilà, on a passé les 10 premiers burns en un peu moins de 50 minutes. Pour le moment, tout va bien. Je bois toutes les 15-20 minutes, j'ai pas trop soif. Et puis, on va peut-être prendre un petit gel quand même. Parce que là, le petit déj est déjà un peu loin. Et que j'ai pas envie d'épuiser les stocks de glyco. Histoire de récupérer assez rapidement de cette course. Pour repartir à l'entraînement dès demain. On a un petit signaleur pour pas se perdre. Et là, château de Dampierre, juste incroyable, vraiment un tracé, mais la grosse régalade. Là, je viens de rejoindre Mathieu du team Outdoor Poly, courir un peu avec lui, j'ai l'impression qu'il a raccéléré. Donc là, je suis avec Fred, on est derrière Mathieu du team Outdoor Poly. On a fait presque 15 bornes, il en reste 18 à peu près, on vient de passer dans le château de Dampierre. Vraiment incroyable. Là, ça pique les amis. Après la BNP, la Sogé sur la course. Comme quoi, nous banquiers, nous ne sommes pas que des escrocs, nous sommes aussi des coureurs. Ne dis pas que tu es fatigué, t'arrêtes pas de parler, bordel. Sur le long. Ouais. Ah ouais. Ah, il pique là. Non, là. On a les gens du cours du 22 qui nous reprennent. Ils sont partis une demi-heure après nous. Et qui vont quand même bien plus vite que nous, qui sommes sur le 33. On a des petits passages dans des bonnes flaques d'eau là, ça rafraîchit les pieds, c'est parfait. Là je me rends compte que les Kalenji, là, l'équipe race, eh ben, elles évacuent super bien l'eau. Et décidément les coureurs du team Outdoor Poly bien représentés, puisque on en a encore un sur le cours qui lui aussi me vantait la beauté du parcours quoi. Vraiment on se régale, hein, je me répète, mais le parcours est vraiment exceptionnel. Et on est presque au 20e kilomètre. 1h36 de course. Bon bah tout va bien pour le moment. Il reste 13-14 bornes. On va voir comment le corps répond sur les derniers kilomètres. Parce que ça fait un moment que j'ai pas couru plus de 25. Mais bon, au pire on prendra le temps pour finir. On vient de se prendre une bosse les athlètes.
ou quand vous arrivez en haut de celle-ci et vous essayez et que vous essayez de relancer, bonjour, et ben ça fait comme quand vous jouez à FIFA par exemple et que vous essayez d'accélérer avec un joueur qui a plus d'énergie, qui a la jauge à vide. Ça fait pareil, le mec fait des grands pas mais n'avance pas. Et ben là c'est moi actuellement. J'ai de la grande foulée mais ça avance plus. Allez, on se relance tranquillement. Et on va prendre un petit gel pour ceux qui ne croient pas que je consomme des gels pendant les courses. On vient juste de passer dans un lavoir, plutôt sympa. Bonjour. Et on a un petit groupe qui nous attend. Salut. Ouais. On est pas mal. Salut les amis. 23 km. Ouh, il en reste 10. Ça commence à piquer un peu. Je me suis arrêté au ravito, remplir un peu ma gourde. Et puis on va finir comme ça tranquillement. Il reste 10 bornes. Les chemins sont toujours aussi sympas. Allez, on se retrouve plus tard. Plus que 6 km, ça veut dire que je suis au 27e kilomètre fatidique, là où j'ai abandonné au marathon de Paris. Alors je sais que c'est pas le même effort, c'est pas la même cadence, c'est pas le même revêtement, mais ça fait du bien de casser cette barrière des 27 km. Allez, direction l'arrivée maintenant. Donc là on est sur une immense autoroute, une immense ligne droite, grosse artère de la forêt, dédicace à Steph. L'année dernière ça avait été très dur à ce moment-là de la course, une ligne droite interminable. Et on va bientôt arriver en ville pour reprendre les escaliers qui mènent au château. Et là ça va piquer. Bonjour. 21ème, allez on s'accroche, bravo. Merci. Vous avez entendu, 21ème. Nickel. Il reste 3 km les athlètes. Il y a Fred qui est juste devant. Je grappille, mais derrière ça revient fort aussi. Surtout, ne jamais se retourner. Quand on sent quelqu'un derrière, psychologiquement, ça lui donne le moral. Hello. On rejoint les coureurs du... Ouais. On rejoint les coureurs du cours, donc du 22, pour les derniers kilomètres ensemble. Allez, il reste 1,5 km. J'ai retrouvé Fred derrière moi. On rate ou on explose. C'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on est venu. On gratte ou on explose. Allez, on se retrouve à l'arrivée pour le finish. Allez. Allez. Je suis. Allez, viens. Allez, on y va. Allez, il reste 500 mètres. 500 mètres de grimpette. C'est bon ça. Finir par ça, c'est pas cool. Vas-y. Prépare les bières. Je fais pas qu'une. Ah putain. À l'arrivée, celle-là fait mal. Ça bon, c'est de la bonne. C'est clair. Allez, merci. On est bien. Merci. Bien. Allez Fred, allez. Allez. Putain. Ça pique bordel. Ça pique. Allez. Allez. Oh. Allez les mecs, allez. Viens avec nous, allez. Allez, on y va, allez. Allez ensemble les gars, allez. Allez. Putain. Bravo, merci.
peux vous dire qu'elle fait mal celle-là. Elle fait très très mal celle-là. Salut, salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça a été? Allez, mec, on y est. Salut les enfants! Bordel, qu'est-ce qui a fait mal celle-là? Qu'est-ce qui a fait mal? Et bravo! Merci! Qu'est-ce qui a fait mal celle-là, bordel? Allez, 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 courage, vous êtes prêts, vous êtes prêts! Il y a de la bière qui nous attend là. Il y a de la bière à l'arrivée. Mais qu'est-ce qui a fait mal? On va récupérer le sac pour se couvrir, changer de batterie au cas où. Madame le maire qui ne tarde pas trop. Et puis récupérer la ceinture aussi, pour se réhydrater. Aujourd'hui, il y avait trois choses. Merci beaucoup. De natation, un tour. Voilà les athlètes. Donc ça, c'est la. C'est l'arrivée, on est direct. On met direct du gel froid sur le pied et les mollets. Donc on va aller récupérer le t-shirt de finisher et puis aller encourager un peu les arrivants et surtout récupérer la bière. Donc on a récupéré le joli maillot de finisher. Parfait. Pendant ce temps-là, on va continuer à applaudir, encourager le petit poème, toutes celles et tous ceux qui ont terminé. On a Agnès Rosenberg qui vient de franchir la ligne. Et là, on va aller surtout récupérer la bière. Et ça continue d'arriver avec. Et bien évidemment, la récup, elle se fait toujours avec la bouteille de ceinture. Mais là, on va aller chercher la bière. Où se trouve la bière? Bonjour. Merci beaucoup. 2h48 ou 42? 2h48, je crois, c'est 2h47. Oh merde. Merci beaucoup. Voilà, on va passer bien. À la petite minute humoristique. Vous savez, comme il est tradition sur toutes les courses, on ouvre toujours un bureau. 3 km. Ben voilà les amis, le classement. En 2h. Donc Nico, 22 minutes. 2h22, comme secondes, voilà, un succès de plus. Et puis ben, on descend, et puis voilà. Nicolas Durek, ma part 20e. Donc voilà ce trail, cette 9e édition du trail de la Loire de 33 km, c'est terminé. Je crois qu'au classement ça donne 20e ou 21 ou 22, je sais plus trop. Parce qu'à la fin, c'est vrai qu'on avait les coureurs du 22 km avec nous, donc c'était plus évident de savoir qui nous doublait et qui on doublait. J'ai fini avec Fred qui m'a vraiment tiré de ouf dans la dernière côte. Les 600 derniers mètres qui grimpent jusqu'au château de la Madeleine. Alors je ne sais pas combien il y a de dénivelé, je regarderai sur la montre, je vous mettrai ça au montage. Mais vraiment une course magnifique, un tracé mais de dingue, des singles, des folies, quelques passages avec des grosses flaques d'eau, mais au final bah, ça faisait du bien de tremper un peu les pieds.
pied. Bon, à un moment j'ai trempé jusqu'au genou, mais ça faisait du bien. Côté sensation, de très très bonnes sensations jusqu'au 21-22e kilomètre. Après, il a fallu serrer un peu les dents, les gels ont fait leur effet. N'oubliez pas, hein, le petit disclaimer, c'est que les gels, on ne les jette pas sur les chemins. On les garde avec soi, on les met dans sa poche. On emmène une poche à déchets si besoin, mais on les jette dans une poubelle. Voilà, ils sont dans la poche de mon sac, ils doivent être par là, normalement. Donc je suis parti sur des gels nulle part pour cette course. Bougez pas. Alors celui-là, café Cortado, café corsé. On a l'impression de boire un espresso, c'est vraiment une tuerie. Et puis le troisième, un peu moins bon, mais qui donne un bon coup de peps, c'est celui que j'ai pris en troisième, c'est le Lemon Zinger. Franchement, c'est gel, la texture est vraiment bonne, c'est que du bon dedans. Non, je ne fais pas que de la pub pour NutriSense, enfin, il y a d'autres produits qui sont bons. Je le clame. Vraiment cool, vraiment un super trail. Des belles petites rencontres sur le parcours. Les gens qui m'ont demandé où est-ce que j'allais poster la vidéo, donc on fait un petit clin d'œil. Un gros clin d'œil bien, bien particulier à Fred, avec qui on a couru pas mal de bornes et avec qui on a fini. Un clin d'œil, alors je sais pas comment il s'appelle, il était avec un haut Salomon blanc, petit bandeau autour de la tête, Humanis, sac à dos, sac de trail Salomon. Et avec qui on échange un peu en début de parcours, pareil, très très sympa. Et c'est aussi pour ça qu'on fait du trail, c'est qu'on est sur des allures qui nous permettent de parler. Et c'est toujours sympa de discuter, d'encourager. C'est vraiment très très cool. Donc voilà, moi maintenant je vais rentrer tranquillement. On va finir la bière pour la récup. On va aller voir les derniers arrivants et puis on va rentrer tranquillement à la maison. Allez. J'ai envie de vous dire, sportez-vous bien les athlètes, à très vite. Ciao ciao.